On se retrouve pour un nouvel épisode de Alundra. Alors on a récupéré notre partie, ça fait du bien, yes, les 37 vaisseaux de vie, les trois graines de magie, les boulasses qui sont là, 4753, et bien sûr les bâtons de feu, de glace et tout. Ok, donc on est content, on a évité le drame, on s'était laissé ici sur la dernière vidéo. Donc je ne me rappelle plus trop s'il y avait un truc avec Gilles. Mais j'ai décidé de faire cet épisode sur le marais enchanté. Donc on va aller au marais enchanté. Alors, on a eu un... Comment ça s'appelle la cape d'eau. Voilà. Bon, la maison est vide. Hein. Ça c'est triste depuis que Jess est mort. C'est très triste. On peut aller dans la forge, hein, tout simplement. Donc notre cape d'eau, oh, il fait nuit. Notre cape d'eau, en regardant, ça nous dit que ça nous permet de se déplacer DS tourbillon. Alors je sais pas ce que c'est DS tourbillon. Je pense que c'est dans tourbillon. Il suffit de l'avoir pour l'activer. Donc c'est un peu comme les items. Ah ok, c'est fermé. Je vais devoir. Ok, bah du coup je vais devoir quand même, je suis désolé, j'avais prévu de faire le marais, apparemment il paraît que c'est assez épique, mais je suis coincé tout simplement à cause du rêve d'Hélène que j'ai fait avant, voilà. Désolé. Que dis-tu Gilles? Ne peut-être sauver? Je suis terrifié parce que c'est pour lui ici, franchement, revenu. Après que tu l'as détruit. Et ce n'est pas tout, Septimus. Pourquoi Melza s'attaque seulement de nuit? Pourquoi se sert-il des cauchemars contre d'innocents villageois? À l'aide, s'il vous plaît. Voilà un grave présage, nous devons agir rapidement. Bien, Mia. Attends, je crois comprendre. Tu penses qu'il s'agit d'un piège? Lorsque Melza se dit le cauchemar, il terrifie tout le monde dans le village. Et que font les gens quand ils ont peur? Ils prient pour les dieux ou ce qu'ils prennent pour des dieux. Et Melza voit ses pouvoirs croître à chaque prière. C'est un cercle infernal. Mais depuis qu'Alundra est là, les choses ont changé. Les gens n'ont plus peur des cauchemars car ils savent qu'il peut y mettre fin. Et bientôt, tous réaliseront que Melza est la cause de leur rêve maléfique. Quand les villageois arrêteront de prier Melzas, ses pouvoirs s'évanouiront dans l'obscurité. Alors, selon toi, ce cauchemar a été créé exprès pour mettre fin à la vie d'Alundra ou à la tienne? Je ne crois pas que Melzas ait eu l'intention de tuer quiconque avec ses cauchemars, pas au début. Il les a utilisés pour effrayer tous les habitants du village, pour les obliger à prier. Maintenant que nous sommes là, les cauchemars sont devenus mortels. Pas pour tuer les gens de ce village, mais pour nous tuer. Mais tu l'as déjà fait, Alundra. Piège ou pas, j'ai la certitude que tu triompheras une fois de plus, tu dois essayer. Mais... Que faire, Alundra? Je crois que nous sommes d'accord, Mia a raison. Mais sans ton aide, Gilles va sûrement mourir. Bien sûr, c'est toi qui vas entrer dans le rêve de Gilles, pas moi, la décision t'appartient. Reste ici ou plonger la tête la première de ce cauchemar au risque de laisser ta propre vie. Il y a un singe. Il y a un portugais! Nous, attendons. Quel est ce bruit? As-tu entendu quelque chose? Ce sont les murgues. Ils nous encerclent. Les engagements vont-ils dans le village à moins que... Je savais que c'était un piège. Je suis sûr que Melza tuera Gilles si nous entrons dans son cauchemar. Et si par malchance nous nous trouvions dans son rêve au moment de l'assaut de Melza, nous mourrions avec Gilles. Je regrette. Je refuse juste de croire cela se produisent de nouveau. Septimus, fais monter Kisha à l'étage et barricade-toi. Alundra, sois prudent. Ok. Donc c'est à moi d'aller défoncer les types, ok. Oh! Oh, ça a été dur.
Les murs furtifs ont été réduits en gelées amorphes. Le complot d'aveugle de Mazas a été déjoué pour toujours. Entrons ensemble dans le rêve de Gilles. Alondra, veux-tu appeler Septimus et les autres? Ça marche. Non. Que diable? C'était le gris de Mia. Mia, qu'est-il arrivé? Descendons si tu veux bien. Oh! Un portugais! Ouais! Non! Mon frère! Oh Dieu, le cauchemar a transformé Gilles en un monstre hideux. Les dieux m'ont parlé, Alondra, ils m'ont demandé de te tuer. Gilles, écoute-moi, c'est moi, Kisha. Ta sœur, tu as été bernée. Melzas n'est pas l'un des dieux. C'est un démon tendu venu saccager tout ce que nous connaissons sur la terre. Oh! Il a tapé sa sœur. Oh! Quel monstre, la violence domestique est intolérable à notre époque. Ça va. Alondra, toute l'humeur d'humanité devant Gilles est complètement éteint. Tout ce que nous pouvons faire pour apaiser ses souffrances, c'est le détruire. Ah non, il se bat. Kisha, c'est toi Kisha. Pourquoi cela est arrivé? Qui lui a fait ça? Quoi, je l'ai tué? Non, c'est pas moi. Jamais je n'aurais fait ça. Alondra, attends. N'utilise pas ton épée. Gilles est en train de combattre les démons qui occupent son esprit. C'est de ta faute, Alondra, si tu n'étais pas venu dans ce village, ma sœur serait encore vivante. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça, les dieux me l'ont dit, je ne l'ai pas tué, ce n'est pas moi. Je n'ai pas tué Sibyl non plus, c'est Alondra. Kisha, tu es ma sœur, il faut que tu me crois. Les dieux, Melzas. Gilles, je t'en prie, je sais que ce n'est pas toi. Combat l'envahisseur noir qui cherche à s'emparer de ton âme. Combat-le avec lumière pure. Je le sais, habite ton cœur. Allez. Ouais. Hein? Il est où? What? Il a disparu. Au moment où tout ce qu'il y a de sacré, que diable se passait-il? As-tu la moindre idée de l'heure? Tu vas réveiller tout le village, sauf que cela fut. Eh bon, j'y ai. Il est mort. Il s'est battu contre un nouveau cauchemar créé par Melzas. Mais son corps enragé n'a pu résister à la puissance qu'il avait déchaînée sans le savoir. J'y ai mort comme un être humain, et non comme un serviteur du démon. Il est mort pour que nous puissions vivre. Cela crève les yeux. Melzas n'est pas du tout un dieu de lumière, bon et miséricorde. Miséricordieux. C'est un horrible démon à la méchanceté corrosive. Mais, c'est impossible. Nous prions les dieux, pas un messager du mal. Il n'aurait pas pu nous tromper ainsi. Et si c'était le cas? C'est ridicule. Nous risquons nos vies pour sauver les gens de ce village et pourtant ils ignorent nos avertissements. Ils n'essayent même pas de nous comprendre. Mais pourquoi suis-je surpris? Nous avons toujours été des marginaux. Les gens nous ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je vous ai mis à Évry, Beaumont. Les gens de ce village ont prié Melzas. Bien qu'il l'ait fait en toute innocence, Melzas a utilisé le pouvoir qu'il lui donnait pour fabriquer le cauchemar. Nous prions nos dieux depuis le début de notre histoire écrite. Nous avons fait confiance à la prière pendant les moments les plus difficiles. Qu'allons-nous faire si tu remets nos croyances, notre foi en question? Si vous voyez que la paix règne ici, je vous suggère de prier pour qu'Alondra l'emporte dans son combat contre Melzas. Si Dieu va nous sauver du démon, et sans doute aucun doute le sauveur qui nous ont choisi. C'est ça. Priez pour moi, donnez-moi de la force. Levez les bras et donnez-moi de la force. Ah, c'est pas le même truc. Gilles a tant prié pour la paix revienne au village. Mais cela n'a fait que le rendre encore plus vulnérable face aux manipulations de Melzas. Alondra s'endort. Le cerveau agité par des idées vengeuses. Le sauveur est bientôt réveillé par la caresse des rayons du soleil.
On fait que dormir dans ce jeu en ce moment, quoi. Bim 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 bim. Ok. Donc on a sauvegardé. Donc on a deux choses à faire. La première qui va durer 5 minutes. Dommage qu'on ait pas des bottes pour courir plus vite. Il est lent, Alundra. Espèce de roue. Hop. Hop. Amuse-toi bien, va, d'accord, petit. Je viens de gagner une poids de feu, une poids d'âme, partie de tir, et quand je gagne, j'ai toujours l'humeur généreuse. Qu'est-ce que tu dirais d'un verre à mon colt? Oui. Eh, je vais verser un verre à mon ami ici. Bien sûr. Voilà un verre du véritable rhum épicé du capitaine Merrick Dinois. Et quand même, boire une gorgée, ça va repousser les poils aux ours. Ou alors, ça te fera cramer tous les poils. La force et les pouvoirs magiques ont totalement été restaurés. Ouais, il tombe. Il est bourré. C'est pas moi qui fais ça. Il est complètement bourré. Oh là là, pucha. Oh là là, nom de Dieu. Je ne cherche pas trop, je suis pas. Non, c'est bon. Merci, ça ira. Ordinaire, le fin des escaliers au fond, tu trouves un casino tout équipé et moderne. Ainsi, l'autre jour, j'ai gagné 4 parties en Wave Defeat. Ok. Eh, hey, petit, tu te trouvais à bord du clan, je me rappelle de moi, je jouais à la cabine voisine. Comment ça, non? Tu as dû être blessé à la tête pendant une fois, je me souviens encore. Cette terrible tempête, elle écrit oh! Et le bon capitaine et moi-même, sur survécu, il vit au sud-inois, gagné ses bien sa vie en vendant les trésors. Vraiment, tu devrais l'avertir que tu t'en es sorti. C'est encore hanté par les cris de l'équipage et passé que l'on n'a pas survécu. Depuis son premier voyage en mer, le capitaine a recherché des légendaires faucons dorés. Ah ! Aujourd'hui encore, il les cherche. Si tu en possèdes, je sais qu'il serait intéressé. Nous avons un début de piste. Peut-être qu'on a débloqué tout simplement la possibilité d'échanger les faucons dorés contre les objets. Par contre, je ne sais pas du tout lesquels il faut prendre en priorité. Bon, il y a un vaisseau de vie. Est-ce que je prends le vaisseau de vie? Est-ce que je prends les autres choses? Vraiment, j'hésite. J'hésite parce qu'au final, un vaisseau de vie, si jamais les objets en eux-mêmes du capitaine Merrick seraient vraiment cool. Ça m'intéresserait peut-être un peu plus d'avoir tout simplement ces objets-là. Ok, donc on a tout ça, on va lui parler. As-tu mon sourire, il faut qu'on dorait. Oui, j'ai entendu parler de ces trésors d'ailleurs. Tu n'en as pas entendu parler. Il y a longtemps, il a parcouru les océans, la chaîne de faucons, qui d'après l'argent serait éparpillé dans le monde. Si j'avais pu tous les trouver, je serais moi-même devenu une légende et je serais riche comme Crésus. Toi, le mom, si tu mets la main sur l'un des faucons dorés, tu me le ramènes et je t'échangerai contre des éléments. C'est plutôt un bon marché, tu me ramènes ce que tu veux, je te donne un échange, ce dont tu as besoin. Affaire conclue. Oui. C'est vrai ça, le mom. Ah Londra, dès que j'ai posé mes yeux sur ton visage, verdâtre en mer, je suis que tu étais spécial. Tu es un homme heureux, merci Londra. Je suis un homme. Ok, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je prenne en premier. Nous avons actuellement 35 faucons dorés. Je ne sais pas si ça va être assez. J'aimerais d'abord savoir à quoi sert ceci.
Le super anneau. Le souci que j'ai, laisse-moi voir combien de faucons tu m'échanges là. Tu m'en as rapporté 35 aujourd'hui. Bon, voyons voir, ça veut dire qu'à ce jour tu m'as rapporté 35 faucons dorés. Tu m'as présenté un fond, accepte ceci en remerciement à l'endroit. Je pense que tu trouveras ce vaisseau de vie tout à fait en usage. En fait, il le donne un par un, d'accord. C'est pas nous qui choisissons. Tu m'as présenté 35 fois, accepte aussi un remerciement. Ok, donc j'ai ça, la bague. Je pense que c'est l'anneau d'Olga, tout à fait utile, faisant bon usage. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense qu'on va le savoir. Est-ce que du coup je vais obtenir les bracelets? Tu m'as présenté, accepte aussi un remerciement. Ouais. Un autre vaisseau de vie? Vas-y. Et du coup, je pense que pour le prochain, il me faudra 40. Il m'en faudra 40 pour récupérer peut-être les bracelets. Il me semble qu'en tout, il y en a 50. Hein. Ah non. Bah écoute, nickel. Voilà. C'est utile. Vas-y, envoie. Vas-y, Gary. Par contre, la tiare, je sais pas du coup. Peut-être que j'ai débloqué le 40e vaisseau de vie. Ok, il me donne un autre. Le 40e vaisseau de vie, vas-y, hein. Tant qu'à faire, je t'en prie. C'est bon, j'ai 40 vaisseaux de vie, j'ai des items de ouf. Est-ce que je vais avoir le dernier, la tiare? Ce serait cool. Ce serait cool. Un super anneau, d'accord. Donc il faut que j'en ai 40. Tu ne disposes pas suffisamment de faucons. Il n'en manque que 5. D'accord. Donc nous avons ceci. Super bracelet. Augmente la puissance défensive. Ok. Anneau d'Olga. Augmente la puissance d'attaque. Plutôt branché. Ok. Ok, donc ce sont des items un peu comme ça qui s'utilisent directement quand ils sont sur nous. Donc il nous manque 5 faucons dorés seulement pour avoir ceci. Et je pense du coup 10 pour avoir ceci aussi. On est à 40, c'est vraiment super, c'est énorme. Donc du coup à la mare, il y en aura peut-être un ou deux, ce serait cool. En parlant de la mare, maintenant il faut la trouver. Donc ce qui veut dire maintenant, c'est que on a eu en plus donc deux objets. Ok. Enfin, les vaisseaux de vie à part, on a eu deux objets. Par contre, je suis allé au mauvais endroit. Hop. La 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 la. Bon, 40 vaisseaux de vie, ça commence quand même à faire pas mal. On a de quoi tanker en plus avec avec tout simplement le bracelet ou l'autre, enfin celui qui nous donne de l'attaque. Il y a vraiment moyen de faire mal. Il y a vraiment vraiment moyen. Alors, ok, c'est par là-haut. Là d'intuition je me dis il y a un tourbillon qui est gros comparé aux autres et par intuition je me dis que ça doit être là qu'il faut que j'aille. Il me semble que d'ailleurs c'est ce qu'on m'a dit aussi dans les commentaires, mais c'était déjà par intuition ce que j'allais faire. Donc il est pas là. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Il faut que je le retrouve. Je ne me rappelle plus exactement d'où il est. Non. Non, pas là.
où est-ce qu'il peut être? Le gros tourbillon. Il me semble que c'est sur la gauche déjà, ça c'est clairement sûr. Là il y a un coffre que je ne sais pas comment on récupère. Ça doit être certainement par en bas, mais ça reste une interrogation. Si je vais à tout hasard dans ce tourbillon, que se passe-t-il avec... Ok, bah il est là le gros tourbillon en fait. Si je vais là, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, y a rien. Ok, donc bah, ça doit être ça. Je pense que on est à peu près au nord-ouest. On doit être à peu près là où. Donc on va le mettre sur nous. Que se passe-t-il? Mare enchantée. Nickel, on y est arrivé. On va équiper ça. Oh non, les lézards. Les lézards, c'est chiant. Ok, c'est goutte. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Ça me mouille la tête, c'est tout. Donc on a ici. Hop. Dépose Sky. Ah, les salopios. Ils attendent que je sorte, tiens. Ah, salope. Salope, pris de carise de tabarnak, là. Eh, ils me perdent quand des dégâts. Hop. 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 Et hop. Oh, dans ta face. Je suis tombé, mais bon. On a tué les poissons, donc on peut rusher maintenant, sans tomber bien sûr. Bon, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir pris cher, hein. J'ai perdu seulement deux vaisseaux de vie sur deux attaques que j'ai reçues. Ce qui a l'air plutôt intéressant. Par contre, ceux qui font mal, c'est les lézards. Ça, c'est inéluctable. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va essayer un peu de tout explorer, on ne s'aventure trop. Donc lui, il m'a perdu deux vaisseaux de vie, on se souvient, il me faisait mal cher à l'époque, hein, il me faisait très mal. Mais là, entre tous les items défensifs que j'ai récupérés, il me fait moins mal. Par contre, trois coups pour les tuer, c'est mieux. Donc on a un téléporteur ici. On va s'empresser d'y aller dedans. Wow! Ok. Ok, donc ça ne doit pas être ici. Je sais pas par contre si on a le souffle illimité. On va repasser par là. Ah, ça referie. Ah, il y a aussi là. Hein. On va commencer par passer par là. C'est le chemin qui est en haut. C'est le premier chemin quand on arrive. Ok, donc on a une bulle ici. Ah, j'aime pas trop ça, on va sauvegarder. Ok, on est tombé. Ah, viens là toi. Ah. Ok, un truc pour monter. Non.
être là. Ah, il y a ça. Vas-y, atterris, atterris. Ah non, ah non, 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 non. Oui, oui, non, oui, oui, non. Ok, je n'ai pas compris où j'allais. My bad. Par contre, là où je dois aller, justement. Est-ce que je peux prendre ça? Non. Où est-ce que je dois aller? Eh ben, je suis coincé ou quoi? Voilà. Ok. D'accord. Donc là, on est sûr que on n'a rien oublié pour l'instant ici. C'est assez épique comme ça. J'ai l'impression d'être en apesanteur de ouf. Allez. Oh YOLO. Hop. Hop. On va essayer de choper la bulle, non? Oui. Ouais. Donc là, on a un coffre. Ouais, merci. Juste au moment où j'atterris, elle explose. C'est super. Oh mais où est-ce que je dois aller, bordel de merde? Encore une fois, on a une difficulté parce qu'on a du mal à savoir si c'est au bon endroit qu'on est pour sauter, si y a... Moi j'imagine qu'il y a un pilier, j'imagine qu'il faut aller sur le pilier. À moins que ce soit en bas là, mais j'ai pas envie encore de me faire piéger. Ah. Est-ce qu'il faut le faire péter avec ça? Où je suis? Oh mais sans déconner. On voit vraiment rien quoi, c'est chiant. Ok, donc ça, et j'imagine qu'après il faut aller en bas. Non. Je me demande sincèrement où est-ce que je dois aller. Ouais, je suis désolé, mais j'en ai marre de vraiment faire les allers-retours, là, c'est en train de me gonfler. On va essayer de récupérer la bulle, est-ce qu'elle vient? Ok. Elle vient, mais le truc, c'est que... Je ne sais pas où elle est, donc elle est un peu plus haute. Hop. Et du coup...
si on avance un peu. Ah si. Il y a une bulle qui pop aussi juste dessous mes pieds là. Là vous voyez. Donc hop. Il va falloir sauter en bas, j'aurais tendance à dire. Enfin je sais même pas où est-ce que je dois aller en fait. Non. Ici je ne peux pas aller en fait, je ne sais pas du tout où je dois aller là. Donc ça je vais le répéter. Voilà. Je ne sais pas du tout où est-ce que je dois aller. Donc là je ne peux pas aller. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle qui poperait sous moi là? Non. Ça ne va pas du tout où je demande d'aller. Donc il y a un truc, il y a une force qui me repousse là. Est-ce qu'en tombant je ne peux pas tomber sur les piliers? Non. D'accord. Donc je dois tout simplement pas être au bon endroit. Hop. Ouais, mais là-bas ça va pas être comme ça qu'il faut aller. Si. Hop. Ah. Donc il reste un endroit où aller. J'ose présumer que ça doit être là. C'est moi où il vient de traverser lui. Hein. Ouais, ça sert à rien quoi. Ok, donc on va aller ici. Ok. Mince. Donc une plante, on va utiliser. Ok. Yes! On a notre 4e cristal en haut. J'ai l'impression que ça débloque des trucs en casse ça là. Merde. On entend le roulement sourd de rochers qui tombent. Donc ça doit être les rochers qui me coincent. D'accord. On va faire tomber. On va. Enfin pas faire tomber, on va faire. On va détacher toutes les piques. Afin de voir si ça nous débloque un truc. J'imagine que oui. Hop. Donc là. D'accord. J'aimerais juste. Ah. Allez là pour regarder en fait si les cailloux que j'ai pétés, ça a eu une incidence sur quelque chose ici.
Là, vous voyez, il y a un trou, non? Ah non. Donc ici, déjà, il serait rien passé. D'accord. Ça marche. Donc pour l'instant, on va juste se diriger gentiment. Donc en deux coups, là, je les tue, alors qu'avec l'épée, c'est trois coups. Saloperie. Ok. Il y a un passage souterrain ici. Ah. Quand je vais pousser du coup. Voilà. En fait, on a cherché pendant trois quarts d'heure tout à l'heure pour rien. Ah, il y a une bulle. Alors là. Non ! J'étais à deux doigts. Et c'est qu'après là c'est chiant pour trouver la sortie. Quand on la trouve. Eh mais en fait je suis un thug. Depuis tout à l'heure je pouvais passer sur le côté là. Sûrement un mongol. Le pire des mongols quoi. Bon, en tout cas ce qui est bien c'est qu'on a eu un vaisseau de vie, donc en théorie il devrait pas y en avoir d'autres à moins ce que je ne mente. Allez, 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 allez. Allez le roux. On va juste faire un truc avant. Hop. Ça va garder. Si je vais par là, il ne se passe rien du tout. Ouf. Donc là, il y a une bulle. Faudrait essayer de choper la bulle, je pense. Donc on va sauter maintenant. Non, la bulle, pop. Allez. La bulle, la bulle, la bulle, la bulle, la bulle, la bulle. Ah, elle est après. Elle est après la saloperie. Je voudrais aller à droite là-bas. On va essayer ça, mais personnellement, je n'y crois pas. Surtout quand ça avance pas. Non, en fait, je peux. Je peux sauter super loin, super haut et tout, mais en fait, il n'y a aucun retour. On ne sait pas vraiment où on est. Là c'est pareil, je peux aller là à droite, mais je ne sais pas à quoi ça m'avance. Ah ouais, à gauche plutôt. J'ai vraiment du mal à me repérer. Je pensais que je dois aller par là. Je sais pas du tout où je suis. Hein. Quand je saute là, c'est infâme quoi. Je ne peux même pas bouger comme je veux. Oh là là, c'est d'une horribilité. J'imagine qu'il y a moyen d'attraper ce point là. Mais je
comprends pas pourquoi je n'y arrive pas en fait. C'est assez perturbant. Je ne vois pas quoi faire. Donc ici il n'y a rien, on est d'accord, on a beau essayer. Hop, 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 hop. Passer par là, bien au bord, non, ça marche pas. Rien n'y fait. Rien n'y fait, on est bloqué. Est-ce qu'il y a un passage par ici qu'on n'ait pas vu? Non, même pas. Là, on est vraiment coincé à ce niveau-là, on ne sait pas. Ça me saoule de bloquer 3 heures sur un truc. Oh, j'ai sauté de 2 trucs. Donc là, j'imagine bien qu'il faut faut pas aller en bas là. Hein. Ouais, ouais. Faut plutôt passer par là. Voilà, une fois qu'on a compris, ça va après. Hein. Donne-moi les boulasses. Donc est-ce qu'il y a un truc ici? Non. Donc on n'a pas d'autre choix que de descendre. Et de se manger une bastos. Oui. Attention, il m'attaquait avec ses cheveux. Du coup, j'ai perdu de la vie. Alors, pourquoi il y a ces piliers? Je n'ai pas l'impression qu'ils ont une utilité particulière pour l'instant. Je me trompe peut-être, parce que là, il y a une goutte, ou il y a une ombre là. Eh ben... avoir une utilité future. On va casser tout ça d'abord. Ensuite, on a une bulle ici. Qu'est-ce que nous avons là, par contre? Ok, seulement le point de machin. Alors, tac. On va directement récupérer le coffre. Et sa contenance inutile. Plus ou moins. Hop. Donc, on va regarder en haut qu'est-ce qu'il y a. Ok, il y a des trous avec des bulles, j'imagine. Hop. Il y a beaucoup de points de téléportation. On va commencer par aller là. On aurait peut-être pas dû. Qu'y a-t-il ici? Ah, ça bouge tout seul. La fée de la fontaine. Sténia.
à la fois étonnée et fière que tu sois arrivé aussi loin, libérateur. Je suis Sthenia, reine des eaux. Les rivières et les océans m'ont montré à mon cœur tout ce que tu as accompli. Au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu de nombreux dieux. Il y a peu, une race de dieux géants existait, on les appelait les Gazèques. Tu en as rencontré un, Nirud. Les Gazèques ont été taillés dans la pierre par d'anciens humains. Les anciens vénéraient et craignaient les sept Gazèques. Très vite, leurs prières donnèrent vie aux Gazèques. Ils devinrent ce que les humains pensaient qu'ils étaient. Mais les Gazèques refusaient de se partager le pouvoir de la prière humaine. Ils se déchirèrent pour l'obtenir. Ils se tuèrent les uns les autres pour obtenir l'adulation des humains. Tout sauf un périr. Seul Nirud refusa de combattre les autres dieux. Il assista le cœur lourd à cette tuerie entre frères. Mais après le combat, Nirud découvrit qu'il n'était plus dieu. Les anciens humains ne croyaient plus depuis longtemps à ces Gazèques belliqueux. Et un dieu ne peut pas exister sans la foi des autres. Très vite, les prières des gens donnèrent naissance à un nouveau dieu, c'était Melsas. Mais il n'était pas le dieu de la paix éternelle que les humains avaient prié. Il était encore plus imparfait que les Gazèques, usant de la terreur pour gagner la foi des humains. Mais Melsas craignait la sagesse des humains. Il savait qu'il pouvait lui enlever son pouvoir. C'est ainsi qu'il commença à tuer quiconque semblait menacer son existence. Pour une raison ou une autre, tu as réussi à échapper à ses machinations jusqu'ici. Melsas nous a observés, Alundra. Il utilise ma propre eau contre moi. Prends ceci, Alundra. Melsas va bientôt détruire cet endroit. Pars d'ici, Alundra. Fais vite. La destruction arrive. Oh, mais... Oh! L'épée infernale gagnée! Ah, mais c'est cool! Du coup... Elle va faire mal, celle-là. Épée donnée par Sthenia, chargée en appuyant sur... Ok, donc c'était celle-là, l'épée que je te parlais, et c'était pas l'épée de légende, du coup. Voilà, c'était celle-là que j'avais vu que le mec avait. J'aimerais bien, par contre, essayer... Ouais, donc ça, c'est pas grave. Je m'en fous. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien essayer d'aller voir. Que je n'ai pas encore vu. Il s'agit de ici. Ah, là, il y a un coffre. Alors, c'est peut-être un faucon doré, donc je ne vais pas le rater. Voilà. Oh, je tombe dans le trou. What the fuck? Ok, donc c'est peut-être un faucon doré, on n'en a pas eu sur ce donjon, espérons. Ah, oh, c'est une herbe encore, on va te faire foutre avec les herbes là. À tous les coups, je l'ai raté, je suis sûr et certain que je l'ai raté, le faucon. J'aurais presque envie de voir plus bas si je le trouve pas, mais j'ai pas l'impression de l'avoir. De toute façon, on est sur la fin de la vidéo, donc je vais aller vite fait checker ça. Ah non, non, le pic, le pic, le pic. Ouf. Hop, 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 hop. Là, vous voyez un coffre. On a bien fait de revenir. Il est absolument impensable que je rate un faucon doré. Je veux absolument cette tiare. Ce super anneau, je le veux. Je le veux, oui. Je le veux, mon super anneau. Encore faudrait-il qu'on arrive à sauter correctement. Donc le TP d'en haut, j'imagine qu'il va m'amener à la fontaine. J'aimerais voilà, atterrir sur cette plateforme-là. Afin de récupérer une des plateformes en bas, si je le peux, si... Ouais. Oh, encore une herbe, va te faire foutre. Tu m'énerves. On fout tes herbes, foutez-les dans mon cul, là. Oh, sans déconner, c'est chiant. Oh non. Du coup... On va pas la récupérer, maintenant, c'est trop tard. On va s'en aller d'ici.
si j'ai loupé un faucon, je vais être très déçu. Oh, ça gratouille. Ah. Ow. Je sais pas. Ah ouais, mais non, c'est bon. Je vais le faire, je vais aller check là-bas sur la droite, j'y suis pas encore allé. En sautant dans le vide, hop. Je vais vraiment check s'il n'y a pas un coffre à droite que j'aurais loupé. J'ai une grosse bulle. Ah ça je veux. Merci. Hop, 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 hop. Ouais, il y a un renforcement, non, il n'y a que dalle. Y'a que dalle. Et après là y'a pas non plus. Ok bon ben définitivement il n'y a peut-être pas au final de coffre. Bug à l'horizon, bug à l'horizon. Hop. Ouais, par contre, ouais, je veux bien que tu me... Quand j'avance, t'avances quoi. Parce que c'est pas que j'aime pas faire des allers-retours, mais c'est pas trop mon kiff. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une herbe aussi. Ouais, j'avais déjà regardé, mais... Je vais tomber ici, essayer de regarder s'il y a quelque chose. Ça sera ma dernière tentative. Essayer de trouver un faucon doré. Il n'y a que chi, que dalle. Seulement mes yeux pour pleurer. Bon, on a récupéré quand même une petite peu sympathique qui a l'air fort sympathique. Hop. Allez, ça tremble en tous les sens, c'est sa mère. Ouf. Tiens, dans ta gueule, toi. Allez. Oh. Déjà, tu me parles pas comme ça. Non, ça, j'aime pas parce que les poissons... Ouais. Ils vont pas taper. Yes, voilà ce que je voulais. Je voulais caler. Ok. On ressort de là. On a notre petite épée. Ah ok, d'accord, ça a disparu. Ok, donc on va se laisser ici déjà. Malheureusement, c'est l'heure. Hop. On va retourner sur la terre ferme. Pourquoi il faut-il que je passe par là pour retourner sur la terre ferme? On va passer par là. Si je le peux. Effectivement, je ne le peux pas.
là il faudrait que je réfléchisse à choper 5 faucons dorés supplémentaires que je n'aurais pas attrapé. Déjà il y a ce coffre là que je ne sais pas comment récupérer et que j'imagine que c'est par là. Voilà, il doit y avoir un passage par ici là. On va essayer d'y aller. Enfin, je vais le faire sans vous. Je vais essayer d'y aller. Là, je vais vous dire au revoir. Ouais, parce que sinon, la vidéo va durer super longtemps. Hop. Ah, il y a ce coffre-là, on s'en fout. Ok. Hop. Tu as crevé, oui. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un épisode qui sera je ne sais pas sur quoi. Je ne sais pas, en fait je ne sais même pas du tout. Donc on va essayer de retourner au village de chercher un peu. Et je vous dis donc à la prochaine pour bientôt j'espère. Ciao.